Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer la lecture de cet article et vous expliquer pourquoi il m'intéresse, je vais répondre à certaines questions que m'ont posées des Algériens. Ils me demandent pourquoi je parle souvent de l'Algérie. Très bonne question. Deux raisons me poussent à parler régulièrement de l'Algérie. La première, c'est que votre régime mafieux s'immisce dans les affaires internes du Maroc. La deuxième raison, elle est plus amusante, vous êtes la risée du monde. Voilà, ce sont mes réponses. L'article que je vous propose, c'est confinement total à Alger, le ministre de la Santé se prononce. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, estime que le bilan de la propagation du coronavirus à Alger n'est pas aussi inquiétant et il n'impose pas un confinement total. Sincèrement, j'en ai strictement rien à faire. En revanche, ce passage m'intéresse. Il dit que la dictature algérienne possède un stock de 11 millions de masques. Je ne conteste pas cette affirmation. Il est possible qu'ils aient 11 millions de masques. Au passage, il annonce qu'un sportif de haut niveau, dont il a refusé de citer le nom, va incessamment, sous peu, faire parvenir au pays un don de 50 millions de ses moyens de protection. Faire parvenir au pays, ça veut dire que le sportif et les masques, en tout cas c'est une certitude, les masques ne sont pas en Algérie, donc ils sont à l'étranger, donc c'est un sportif de haut niveau étranger. De toute façon, les sportifs de haut niveau n'habitent pas en Algérie. Et ce sportif de haut niveau aurait en sa possession 50 millions de masques. C'est aberrant, c'est impossible. L'Algérie a 11 millions de masques, mais un sportif de haut niveau aurait en sa possession 50 millions de masques. Pourquoi cette information m'intéresse? Le 1er avril, le ministre de la Santé avait provoqué une grande polémique sur les réseaux sociaux. Il avait dit qu'un célèbre sportif algérien, alors c'est pas un sportif de haut niveau, hein, c'est un célèbre sportif algérien, serait prêt à faire un don de 40 millions d'euros pour la lutte contre le coronavirus en Algérie. Il a souligné néanmoins que cette personne souhaiterait rester dans l'anonymat. Alors, ce sportif algérien souhaite rester dans l'anonymat et il donne 40 millions d'euros. Un autre sportif algérien donne 50 millions de masques et là c'est le ministre qui ne veut pas donner son nom. Alors je pense que les 40 millions d'euros se sont transformés en 50 millions de masques et comme on dit jamais 203, le prochain va sûrement donner 100 millions de gants. Ce pays est magnifique dans sa médiocrité. Ce pays est vraiment la risée du monde. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum, au revoir.